Ah, j'ai failli le perdre de vue, ce con. Ah bah te voilà enfin. T'aurais pu m'attendre. Je tiens plus, moi. Bref, on est où, là? Au croisement de Bourg-Trésor. C'est le lieu de départ pour les explorateurs, mais c'est aussi l'entrée de la ville à l'ouest. D'accord. Et la guilde se situe en ville? Pas vraiment. Elle se trouve au nord, là, juste en haut. En haut de la colle. Oh, merde! Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, il y a combien de marches à cet escalier? Oh! Je vois. Un bon paquet, je dirais. Allez, te laisse pas décourager! Oh, si j'avais su, j'aurais pas venu. Une. Deux. Ah, non. Ouh, c'est bon, je t'aime. Quatre. T'es presque au bout. Allez, d'une aire. J'ai pas l'habitude d'avoir deux petites patounes à la place d'une bonne paire de jambes. Tu devrais pas plutôt marcher à quatre pattes? Et puis quand encore? Ah, enfin. Et maintenant, retourne-toi. Wow, j'ai pas couru tout ça. La plage a l'air tellement loin maintenant. Tu regrettes pas d'être monté, pas vrai? Tu vois les bois par là? Je trouve tous ces arbres magnifiques. Et là, ces monticules de roche. C'est très drôle de les escalader. Arrête! C'est très beau, mais s'il te plaît, me parle plus de monter ou de descendre. Tiens, ce serait pas Bourg-Trésor là en bas? En effet. C'est joli, hein? Et maintenant, direction la guilde. C'est cette tente. Ouais. Et là... Dis, tu serais pas en train d'essayer de me faire rejoindre une secte par hasard? Hein? Quoi? Bah non, pourquoi? Bah, je sais pas. Je vois une tente avec un gros visage tout rose, les bras levés, des oreilles en pointe avec un sourire vachement flippant. Sans oublier les totems, là, tout autour. Ça ne te fait rien? C'est vrai que dit comme ça... En fait, je suis jamais vraiment rentré dedans. Parce qu'avant ça, il faut monter et... Quoi? Où c'est Kram? Non. Où c'est Kram? Je crois que je vais redescendre. Quoi? Après tout ce que j'ai galéré pour monter ici, tu me parles de faire demi-tour? Ah non, hein. Non. Mais c'est pas ça, c'est pas que je veux pas, mais... Mais... Il y a une grille au sol devant toi. T'as eu peur de passer au travers? Si avec ça. Mais ensuite, lorsque je m'y suis retrouvé, les pieds dans le vide, j'ai entendu un grondement. Et? Bah j'ai eu peur et je me suis barré. Oh putain, je sens qu'on va aller là comme équipe d'exploration. Bon, au pire, s'il faut rester dessus, il n'y a pas plus sorcier. Après, il y avait un petit truc, ça avait l'air vraiment flippant. Ça avait l'air d'être une grosse... Tu vas m'écouter, merde? Bon, je te propose un truc. Tu retentes et si quelque chose cloche... Oui? T'inquiète, je gère. Bon, je te fais confiance, hein. Doucement... J'y suis. Ça a pas l'air si effrayant, ça me reste... Pokémon détecté. Ah ! Pokémon détecté. Je rêve où il y a vraiment des types là-dedans. À qui appartient l'empreinte? À qui appartient l'empreinte? C'était ça! C'est l'empreinte d'un Wistikram. C'est l'empreinte d'un Wistikram. Ah ouais, d'accord, je comprends. Wistikram, il est pas venu tout à l'heure? Je crois que si, c'est lui. C'était comme la première fois. Je t'assure, j'y arrive pas. Mais qu'est-ce qu'il fout à s'enfuir à chaque fois? Ils se croient drôles. En même temps, ils ont plutôt l'air de t'en vouloir. Oula, calme-toi, Wistikram. T'as juste à ne pas bouger et tout se passera... Mais... Bien sûr, la grille s'identifie. Oh, mais viens le faire ici, fétichiste. Salaud. Mon poing, tu l'as vu, mon poing? Et mon pied, tu l'as vu, mon pied? Justement, non. Oh, mais quel con. Bon, reviens. Je vais jamais pouvoir intégrer cette guilde. Chaque fois, ça me fout les jetons. Effectivement, t'es sûr que tu veux y entrer? Oui. Mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai une idée. Quelle idée? Mais lâche-moi! Au secours! Mais me ramène pas sur la guilde là-dessus! Non! Je le tiens, grouillez-vous! Pokémon détecté! Pokémon détecté! C'est qui, putain? C'est l'empreinte d'un Wistikram! C'est l'empreinte d'un... Mais qu'il entre, bordel! C'est vrai? J'ai réussi? J'ai enfin réussi? Ouais! Enfin! J'y suis pour rien. T'es au couillon avec toi de venir! Eh merde, moi aussi. J'arrive. Effectivement, faut pas avoir le vertige. J'ai comme l'impression qu'ils vont me chatouiller les pieds ou je ne sais quoi. Pokémon détecté!
Pokémon Abrège. C'est l'empreinte d'un... Quoi encore? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est l'empreinte d'un Pikachu. Je crois que c'est l'empreinte d'un Pikachu. Comment ça, tu crois? Je suis pas sûr. J'en ai pas beaucoup vu. Mais quelle excuse à d'un Poké... Wistikram, rappelle-moi, je suis bien un Pikachu? C'est ça. Bon, y a pas souvent de Pikachu. Encore moi qui gueule dessus. Oh, ça va, hein. Mais bon, vous faites chier. Entrez. Premier sous-sol. Eh bah, j'y serais jamais arrivé sans toi. Je n'en doute pas. En tout cas, ils vivent vraiment sous terre. Allez, on prend l'échelle et hop. Pom 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 pom, je descends gaiement. Pom 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 pom. Aïe, ton pied sur ma main. Pardon, désolé. C'est ici? Oula, oui, il y avait bien besoin de toute cette place pour recevoir autant de gens. Je suis enfin dans la guilde. Mais bon, calme-toi, Wistikram. Il faut faire bonne impression. Excusez-moi, à qui est-ce qu'il faut s'adresser pour le recrutement? Ils sont là, Maître Pijako! Oh non, il nous a retrouvés! Alors, c'est donc vous qui causez tout ce raffut. Désolé. Nous n'acceptons ni les colporteurs, ni les témoins de Motisma. Ah, mais on n'est pas des colporteurs. Ta 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 ta. Je ne veux pas le savoir. Romboum, raccompagne-les, s'il te plaît. Mais... Pour que l'autre macaque fasse des siennes demain. C'est fadin, maître. Si incivilisé. Il est hors de question de partir. On veut devenir explorateur. Explorateur? Là, vous m'intéressez. Mais êtes-vous seulement au courant que nos entraînements sont rudes et d'une exigence telle que bon nombre de débutants n'ont pu nous intégrer? Maître Pijako? Rebonsoir, Ryoko. Qu'y a-t-il? Ce serait une bonne idée de les prendre. L'économie de la guilde est au plus bas et... Blablabla, chut. Je disais donc que notre exigence est telle que c'est... Oh, le peuple simple. Une vraie formalité. D'accord. J'ai encore plus peur, là. Mais trêve de bavardage. Vous voulez rejoindre notre guilde? J'avoue que je commence sincèrement à douter de oui, la démarche. Oui, plus que tout. Mais il est fou. Farpé, vous allez vous entretenir avec le grand maître. En aucun cas, et je dis bien en aucun cas, vous ne lui manquez de respect. Est-ce bien compris? Le grand maître? Le grand maître gros doudou? Bien compris. D'accord. Bien, suivez-moi. Nous descendons. Dis, t'as l'air d'admirer le grand chef. Il est si connu que ça. Connu? C'est bien plus que ça. C'est l'un, voire le plus grand de tous les explorateurs du monde. On raconte aussi qu'il est surpuissant. Nous sommes arrivés. Souvenez-vous, du respect. Du respect. D'accord. Maître, c'est Pijako. J'entre. Maître, je vous présente deux Pokémon qui souhaiteraient rejoindre la guilde Gros Doudou. Maître. Maître. Oh là là, il fait deux fois ma taille. Il est de dos en plus. Je commence aussi à avoir les jetons. Oh, il s'est encore endormi ce gros sac. Du respect, c'est noté. Oh, bonjour les amis. Ah, c'est moi, Gros Doudou. Hey, vous voulez rentrer dans ma guilde? Oui. Ça me fait plaisir, c'est super. C'était lui, la ton chelou sur la tente. Du respect, j'ai dit. Oh, mais j'allais oublier le principal. Pour pouvoir créer une équipe d'exploration, nous devons d'abord enregistrer le nom de celle-ci. Un nom d'équipe? Genre pour nous? Au secours. Effectivement, il vous en faut un. À moins de vouloir intégrer une équipe déjà existante. J'y ai jamais vraiment réfléchi. De même. J'ai bien Poképot qui me vient en tête. Ouais. Vous en avez d'autres des idées de morviture comme ceci? Prenez tout votre temps. Il faut que le nom de votre équipe vous plaise. Tout votre temps, oui. En effet. Vous avez 10 secondes. Quoi? Combien? Oh oui, j'adore les comptes à rebours. Les super explorateurs. 7, les initiales 6, O R 5, l'équipe or 4, les traqueurs de reliques 3, ou bien les héros 2, oh bah c'est pas mal ça 1, les petits pédestres Wistichou. Wistichou. Non mais sincèrement, essayez de trouver un nom en moins de 10 secondes, moi c'est pas possible.
Je trouve que Wistichou, c'est un nom d'équipe parfait. Mais Poképot, c'était pas si mal. En effet, ce n'était pas si mal. Félicitations, Raphaël et Wistikram. Dorénavant, vous formez officiellement l'équipe Wistichou. Oh, tada. Mais non. Eh les gars, les nouveaux, ils se sont appelés l'équipe Wistichou. J'arrive pas à savoir si c'est le meilleur ou le pire moment de ma vie. Ouais, ça commence bien ton rêve. On peut changer de nom? Vous ne voulez plus faire partie de la guilde? On accepte. Non. Parfait alors. Voici donc un kit d'exploration. Pijako, veux-tu bien leur rapporter? Pijako, viens ici tout de suite. Oui, maître. Voilà. Un kit d'exploration? Ouais. Waouh. Qu'est-ce que c'est? C'est le matériel de base de chaque équipe. C'est à vous. Ouvrez-le. Il y a plein de trucs là-dedans. Un sac, un parchemin et... Oh, c'est un badge. Il vous permettra de vous identifier en tant que membre officiel de la guilde Gros Doudou. Il vous permet aussi d'appeler à l'aide ou d'extraire des Pokémon perdus hors des donjons. On peut devenir secouriste. Ah, pas mal. Le parchemin, c'est la carte miracle. Qu'est-ce que vous voulez dire par miracle? Elle est extrêmement pratique. Elle se met à jour toute seule et s'efface quand vous n'en avez plus besoin. Un vrai miracle de poche, en somme. Eh ben, et le sac, c'est pour... C'est pour transporter des babioles et vos trouvailles. Tout le monde le sait, voyons. Merci. Mais il y a déjà des trucs dedans. Des trésors. Des bandeaux. Enfilez-les. Ce sont des outils surprises qui vous serviront plus tard. Ça m'a l'air d'être tout. Mais c'est génial. Merci beaucoup. Nous allons faire de notre mieux. Vous avez intérêt. Je vous ai réservé un dortoir. Allez dormir. Vous commencez demain dès l'aube. Youpi! Yeah! On a des lits en paille. Ouais, bah moi je vais pas me faire prier. Je commence à partir. N'empêche, j'en reviens toujours pas qu'on soit admis ici. C'est clairement le plus beau jour de ma vie. J'avoue. Mais quand même, Wistichou, on va être la risée. Gros Doudou m'a filé la frousse au début, mais... Il a l'air d'être vraiment sympa. Au secours. Mais j'ai hâte de voir ce que nous allons faire demain. Ça promet d'être un grand jour aussi. Je suis trop impatient. Tais-toi et dors. Ah, quel bordel cette journée. Je sais pas qui je suis, ni comment je suis arrivé sur cette plage, et pourquoi un Pokémon et non un humain. Et comment Wistikram fait pour ne pas cramer son lit? J'éteins ma queue avant de dormir, tout simplement. Ah, ok, tout s'explique. Mais qu'est-ce que tu fous dans mes pensées, toi? Tu parles tout haut? Hein? Oh, oh. Bonne nuit. Hop, vous deux, embauche son fiac! Ah, c'est quoi ce bordel? Ma tête, j'ai mal. Dormez encore! Debout! Pourquoi j'ai mon oreille qui saigne? Moi, c'est Ramboum! Je suis apprenti! Ah, ta gueule! Mais bordel! Vous allez vous remuer les miches! Sinon, je vais être en retard à la réunion du matin! Et ça va barder, c'est moi qui vous le dis! Vous en mettrez très pointilleux! Alors, si vous le faites attendre! Vous êtes dans la merde, ça je vous le dis! Bref, je vais pas m'attirer des ennuis à cause de vous! Je me tire! Il est parti? Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Il a dit qu'on devait se préparer, non? Ouais! Je crois qu'il a parlé de réveil! Il m'a déchiré le tympan, ce con! Oh merde! On fait partie de la guilde maintenant! Faut qu'on se bouge, vite! Aïe, lâche mon bras! Ah, voilà les nouveaux! Oui, la fameuse équipe Wistichou! Nous voilà! Ah, mais lâche-moi! Hein? Oh, pardon. Je trouve que leur duo manque un peu de charisme. Mais enfin! Moi, je les trouve sympathiques! Et galère. Ils sont surtout en retard. Il suffit, Ramboum. Tu es ridicule à hurler comme ça. Bref. Maître, nous sommes prêts pour la réunion. Maître? Oh, mais dites-moi que c'est pas vrai. Incroyable. Il dort les yeux ouverts. Ah, bon. On verra plus tard pour la chanson. Et puis, je n'ai pas toute la journée. Débrouillez-vous tous. Et nous alors?
Ah oui, l'équipe Wistichou. Suivez-moi à l'étage, nous allons vous trouver de quoi vous entraîner. À gauche, voilà le tableau des missions. Il m'a l'air un peu surchargé. C'est pas un manque de personnel. Mais chut. Enfin bref, je vais vous trouver de quoi vous exercer. Oh merde. Bon, voilà, tenez. Foutu papier. Notre première mission, lisons-la. Bonjour, je m'appelle Spoink. Je fais appel à vos services car j'ai perdu ma précieuse perle. Je peux pas vivre sans elle. Je crois qu'elle est à la falaise trempée, mais j'ai trop peur d'y aller. Aidez-moi. Spoink. Ouais, c'est pas ouf comme mission de départ. Vous préférez remplacer Topiqueur et Ramboum à l'accueil, peut-être? Ah non, on prend. C'est bon. Même si j'aurais préféré découvrir de nouvelles terres et des trésors, mais... Avant cela, il faudra prouver votre votre valeur, alors. Suivez le chemin à gauche de l'escalier de la guilde. La falaise trempée est au sud-est. Vous ne pourrez pas la rater. Bon, c'est parti! J'en ai marre, ça fait des heures qu'on cherche. J'ai mal aux pieds. Si je chope cet enfoiré de piaf, il faudra prouver votre valeur. Nya, 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 nya. Tu parles? Je me suis écorché les mains en escaladant de ces rochers. J'ai mal aux mains. C'est donc ça le métier d'explorateur? J'ai mal aux yeux. Perle, 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 perle. Raphaël? Quoi? Il y a quelque chose devant nous. Où ça? Là-bas, entre les deux rochers. J'arrive pas à voir ce que c'est par contre. Mais quelle horreur! On dirait un squelette avec des yeux sur deux grosses mandibules avec tout plein de dents! Ah, répugnant! Oula! Tu vois peut-être un petit peu trop bien! Ah! Mais attends, je vois un truc qui brille à côté. Les reflets sur l'eau? Non, c'est rose. On l'a trouvé alors, je te rejoins! Ah, ça reste à côté du truc mort! Je ne te rejoins pas alors! Bah, fais pas ta chouchotte! Tu m'as sauvé et puis t'as tué deux types hier. Presque. Oui, bah justement, à ton tour! Bon, ok, t'as raison. Bon. J'ai pas à avoir peur d'un cadavre échoué. J'ai juste à la prendre. Ah, des yeux comme ça. Vous en voulez à ma perle? Moi vivant, vous ne l'aurez jamais. Justement. Mais vous l'avez trouvée où? C'est elle qui m'a trouvée. Tombée du haut de la falaise. Ah! Donc Spunk a fait tomber sa perle de là-haut? Heureusement qu'on n'a pas eu l'idée de regarder depuis les hauteurs. Je suis son gardien, désormais. Ah, mais vous êtes un anorite? Un nano quoi? Un anorite. Lui, là. Monsieur, nous avons besoin de cette perle. Il faut qu'on la rapporte à son véritable propriétaire, Monsieur Spunk. Vous pouvez nous la donner, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je vous ai dit? Elle est mienne, désormais. S'il vous plaît. Vous savez qu'elle vous appartient pas. Soyez raisonnable. Vous direz à votre cher Spunk comme quoi le trésor qu'il chérit tant est entre de bonnes mandibules. D'ailleurs, qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas des bandits? Des bandits? Mais non. Si, vous êtes des maraudeurs. Mais paniquez pas, nous ne sommes pas des bandits. Quelqu'un! Nous sommes des explorateurs de la guilde Gros Doudou. On a même le badge officiel. Regardez. Je flotte dans les airs. Je flotte dans les airs. Ah! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que tu as fait? Oh mon dieu! J'ai tué quelqu'un! J'ai tué quelqu'un! J'ai tué quelqu'un! Il a disparu dans une lumière intense? Mais j'ai juste tendu mon badge vers lui pour lui montrer! Ah mais c'est ça Raphaël! C'est le badge! Quoi? Souviens-toi de ce qu'a dit Maître Gros Doudou. Il sert à évacuer les Pokémon hors des donjons. Tu l'as donc pas tué. Je sais pas du tout comment ça s'utilise ce genre de machin. C'est vrai qu'on devrait s'enseigner davantage. Au moins, il reste la perle, hein. Et tu n'as tué personne. Pour l'instant. J'espère. Je crois qu'on va rentrer. Le soleil se couche de toute façon. Eh bien, viens, s'il te plaît. Je suis désolé d'avoir dû faire appel à vos services. Ne vous inquiétez pas, cher Spunk.
Nous mettons tout en œuvre pour vous aider. Ils mettent du temps, par contre. Vous pouvez peut-être rentrer chez moi. Ils ont tout intérêt à arriver d'un moment à l'autre. Il faut savoir rebondir dans la vie, vous savez. Et nous voilà. Et voici la perle. Formidable ! Ça fait si longtemps que j'ai perdu ma petite boule. Je vais enfin pouvoir arrêter de me cogner au plafond. Vous cognez au plafond ? Oui ! Oui. Bien joué, équipe Wistichou. Merci beaucoup. Bien sûr, le paiement. Alors voici quelques petits toniques. J'ai cru comprendre que vous êtes nouveau. Comme c'est gentil. Fallait pas. Et voici le tu. Je compte. 500, 1000, 2000... 2000 quoi? 2000 pokés? Pour une mission comme ça? Rien n'est trop cher pour ma petite perle chérie. Sans elle, je perds les pétales et je me cogne partout. Tous mes bleus. Sur ce, au revoir et merci. 2000 pokés. 2000. Ah oui, l'argent, les pépettes. Donnez-moi ça. Qu'est-ce que vous faites? Mais... Et voilà votre part. 200 pokés? 10% de salaire? Mais c'est une arnaque! Le repas est servi! Une escroquerie? Il vous faut bien payer votre entraînement et votre nourriture. Et remettre la guide sur pied! Et encore la ferme! Mais c'est dégueulasse! Eh dis donc, la tambouille est pire que d'habitude! Elle a l'air vachement dégueulasse! Et Crapins, encore une critique, et tu vas finir à la casserole. Bon, allez manger, équipe Wistichou. Je compte évidemment sur vous pour vous donner à fond demain. Ouais, c'est ça, enfoiré. Oh, seulement 200 pokés? J'ai même pas la tête à manger, là. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.